Voilà, donc tay li ñu fi dajalé won moy woté ben kurel go xamné décret bi nga xamné mo créer pas créer ça mo organiser le fonctionnement bi ak fonctionnement au centre national de formation des techniciens des pêchers de l'aquaculture kurel gogu décret bobu moko fi indi moko tek moko prévoir décret bi dafa wax ni ministre pêche économie maritime warna au moins ben yon ci at ni woté ndaje bu ni mel donc ndaje bobu nak mom lañu woté won tay pour chambar ay mbir yu bari ay question yu bari donc question yoyu évoquer nañ len waxtan nañ ci ak ñi nga xamné ño composé bobu le kurel may fatali né du ño xamné rek ci ministère bi lañ dépendre waye amna ñu nga xamné ñu ngi joggé ci yeneen ministère tamit lu sunu ay natango ñew and ci ak ñun ci liggéey bobu né alors chambar nañ mbir yu bari bok na ci walu njang mi walu njangalé mi walu num tudati situation au centre bi hein tant sur le ci sur le plan matériel comme sur le plan moral situation financière au centre bi alors lolu yeb waxtane nañ ko waye waxtan bi li ci eppone solo en tout cas bokon na ci li ci eppone solo moy ñu waxtane lepp lu jëm ci walu plan stratégique nak ben document la bo xamné mom moy teunk fié ki dir ci kanam bi dañ né juroomi at manam nepp xéetu doxalin bu nga xamné mom lañ wara doxal hein ci juroomi at yoyu plan bobu mokay teunk donc waxtané nañ ko chambar nañ ko défarat nañ ko mais li ci judd li ci génn am nañ yaakar né dina mengo ak li nga xamné mom la kilifa yi di sentu ci plan bu ni mel et donc ñu ci féliciter bu baax ñi nga xamné ñoo ci liggéey bo ba tay ci njitu directeur centre le cadre du programme Décalguedje qui nous a accompagné à trois niveaux dans un premier temps dans un diagnostic de notre offre de formation, dans un deuxième temps dans la mise en place de nouveaux référentiels de formation et l'aboutissement de leur action, c'est la mise en place de ce plan stratégique qui identifie nos priorités d'action pour les 5 ans à venir et qui nous permettent d'inscrire tout ce que nous faisons dans une approche cohérente, dans une approche de suivi-évaluation et avec des exigences managériales qui ont été posées. Très bien. Certains acteurs disent que parfois l'accès à la pêche est un peu difficile. Comment vous voyez ce propos? Alors aujourd'hui, l'accès au métier est ouvert. Le secteur connaît, enfin pas le secteur, les diplômés du centre peuvent ça et là connaître des difficultés d'employabilité et c'est une réalité de terrain qu'il ne faut pas occulter et c'est fort justement de la prise en compte de ces problématiques, de ces difficultés rencontrées par l'apprenant du CNFTPA que nous avons fait le choix d'initier ces différents chantiers. Le premier chantier, c'est voir est-ce que le programme est adapté aux besoins de l'entreprise. Un diagnostic a été fait par des experts mandatés par le CNFTPA, appuyé par l'USAID bien évidemment. Et à l'issue de ce diagnostic qui a été mené, l'on a pu identifier les insuffisances liées à ce programme. Donc la deuxième étape a été de proposer une formation qui prend en compte ces insuffisances afin de former des profils qui sont mieux à même de répondre aux besoins et préoccupations des entreprises. Donc cela a été fait. Le nouveau référentiel qui est proposé intègre des compétences techniques qui n'étaient pas dans l'ancien programme, mais intègre aussi et surtout des compétences transversales qui permettent à nos apprenants d'être plus outillés sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, la validation du plan stratégique permet de positionner, de conforter l'assise nationale, régionale et internationale du centre. Donc tout ce que nous faisons a une vocation, contribuer à la formation de meilleurs profils de techniciens, d'agents techniques, à même de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir apporter leurs compétences, leurs forces de travail dans leur organisation et pouvoir connaître une émancipation professionnelle. Lolu saytu nañ ko parce que def nañu ben diagnostic bi nga xamné dem nañu ci entreprise yi nga xamné ñoy recruter suñu ay étudiants pour waxtaan ak ñom. Nénañ ñu ñuy recruter li mo ci bax problème yi lañu am. Donc buñ joggé ci lolu proposer nañ programme bu bess bi nga xamné jël na en compte ñom li nga xamné moy difficulté yi nga xamné wax nañ ko.
jogé nañ ci lolu tam dem ci suñu rédaction plan stratégique lolu yépp pour lan parce que école su doxé lenn mo ci am solo moy est-ce que ñu fay jangé ñu ngi am ay opportunités pour am liggéey est-ce que ñu fay génn ñu ngi inséré wu ci marché bi donc liggéey bu ñu tamali yépp c'est pour gëna défar suñu employabilité apprenant yi té japp nañ né plan stratégique bi nga xamné dinañ ko soumettre autorité yi suñ ko mettre en œuvre dinañu mëna jappalé ci lu bari pour suñu insertion diplômée.